Oui, c'est un matcha, vous devez être choqué. Mais il est incroyable, mais regardez ça. J'ai aussi bu un café ce matin avant, hein, je vous rassure. Anyway, coucou guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en Italie pour une journée. J'ai une allergie aux yeux. Voilà, 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 voilà. Et en même temps, je bois ce matcha qui est excellent et je vais sûrement m'en faire un deuxième. En plus de ça, ça me permettra d'avoir une petite épreuve aujourd'hui. J'ai l'heure pour moi et c'était hier. Si on est sympa. On va où aujourd'hui? L'Italia! Italia! Pasta, la pizza, la... Et café! La première chose qu'on va faire, c'est prendre un café. Je te force à prendre un café pour la première. On est dans ma voiture! On a 2 heures de route là même. On est arrivé! On va prendre un petit café et on va aller à la plage. Ou on va directement à la plage, on verra. En vrai, on est quand même venu ici pour aller à la plage quoi. Attendez. Appelle ta maman, t'as oublié de lui dire que t'es arrivé. Oh. C'est ça. C'était sale. Ouais. Après 26 000, voilà. Vic a dit quelque chose pour les abonnés de Marusa. Today is a good day to be a good day. Yes, work hard to be in Ventimiglia. Non mais là, t'as mis le focus, il va se focus sur toi. Ah là là, les hommes, il faut tout leur apprendre. Qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, je vais prendre un steak sa mère. Che prendiamo? Steak, voici un steak. Zina. On est à la plage. Il y a un truc hyper pratique sur la montagne en Italie, c'est ça. C'est trop bien. Bref, je suis en train de bronzer, de taper mon meilleur bronzage. Et mes amis sont partis se baigner. Je vais pas tarder à les rejoindre. C'est juste que moi, j'ai monté mes vidéos TikTok. Voilà. TikTokers life. Je sais pas vraiment si je peux dire que je suis TikTokeuse ou pas parce que je sais pas à partir de combien, genre d'abonnés, on peut dire qu'on est TikToker, influenceur et tout. En fait, je sais pas comment me considérer parce que en mode je crée du contenu mais je suis pas une superstar, en mode j'ai pas des milliards d'abonnés quoi. Anyway, j'ai une sale tête, j'ai super chaud, j'ai trop hâte d'aller m'aigner, j'ai toujours mon allergie aux yeux aussi. Regardez à quel point je suis huileuse. Quoi? Devinez qu'est-ce que j'ai pris les gars. Un petit jus d'orange. Mmh. Un petit jus d'orange aussi. Mmh. Et moi. Hey, je bois pas d'alcool moi. Oh. Bah pourquoi t'as mon apérol dans la main alors? Ah. C'est quoi ça? Enfin quelque chose. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. J'ai demandé au serveur à l'arabiata, c'est pas très piquant, elle a dit non. J'ai avalé un piment là. Oui. Ça fait, je bois de l'eau, ma bouche est en feu. Ça va. Le café n'est absolument pas froid, ils ont mis juste des glaçons dans un café chaud. Mais j'ai pris un café chaud qui apaise mes brûlures buccales. Si on peut dire ça comme ça. Je peux goûter ton espresso? Non mais je rigole. Mon nez en sueur. Mon nez crie à l'aide. Bon les amis, toujours pas chez nous. On est à la chicha. J'ai mon nez qui a pris des coups de soleil, enfin comme d'hab, de toute façon mon nez vous connaissez. Enfin là je commence vraiment à être bronzée, genre mon t-shirt blanc. On part par ma peau. C'est ça qu'on aime. Oh.
je suis rentrée et je vais tout de suite éteindre cette lumière parce que ça fait un truc trop bizarre, je déteste. C'est good. Je suis rentrée, on a basé une journée incroyable, c'était trop bien. Il y a par contre deux problèmes. Le premier problème, c'est que j'ai une migraine, parce qu'en gros j'ai des problèmes de vue. Bref, à cause de mes yeux, j'ai des migraines en plus du conduire la nuit. J'avais extrêmement peur parce que je ne peux pas conduire la nuit. Et on est rentré un tout petit peu tard. Enfin, c'est pas grave, anyway, je suis safe chez moi. Du coup, et le deuxième problème, bah, en fait il n'y a pas de deuxième problème. Faisons un haul parce que j'ai quand même fait les courses avant le Vintimille. Bon, sac à main, on n'a pas besoin de le voir. On peut pas ne pas aller à Vintimille sans ramener de la nourriture, qui est logique. Parce qu'en Italie, c'est trois fois moins cher. Enfin, en vrai, non, c'est pas du tout trois fois moins cher, mais c'est un peu moins cher et il y a grave des choix. En plus, j'ai trouvé des trucs, j'étais trop choquée, je vais vous montrer. Bon, j'ai une tête horrible, mais l'avantage, c'est que je suis extrêmement bronzée. Genre là, on peut dire que j'ai atteint un stade de bronzage, vraiment un summum bronzage. Bref, anyway, commençons ce haul. Une bouteille de limoncello, en fait, c'est pour offrir. Parce que, bah, on est invité et je ne me ramène jamais quelque part les mains vides et ça me fait plaisir d'offrir un cadeau. Du coup, un limoncello. Ensuite, je suis aussi invitée chez ma meilleure amie, je vais vivre quelques jours chez elle. Restez connectés pour les vlogs. Du coup, j'ai pris pour nous, qui a aussi des gars et tout, donc j'ai pris des trucs secs comme ça pour les apéros. Et nous, 3 mozza, je sais pas si ça suffit, en vrai, on verra. J'ai pris 3 salades. Et ça, je sais pas ce que c'est, enfin si je sais, c'est à l'huile d'olive. Ensuite, pour ma propre personne, j'ai pris des steaks végétaux. J'adore ces steaks végétaux, c'est mes trucs préférés. Ma tante m'en a déjà ramené du Carrefour d'Italie parce qu'elle habite en Italie. Et en fait, je les adore. Ils sont incroyablement bons. Putain, j'ai super mal à la tête. J'ai pris des myrtilles aussi pour moi que je vais manger ce soir. Et aussi des trucs hyper intéressants. Alors, un pudding hyper protéiné comme ça. Il fait 159 calories, genre pour toute cette portion. Je voulais goûter. Et aussi un pudding protéiné comme ça. C'est pas une marque qu'on a en France. En vrai, il est grave clean. Enfin, les ingrédients sont super clean. Ça fait pareil sans son jus de calories. Enfin, vraiment, c'est très peu calorique. Et aussi, j'ai pris un yaourt. Enfin, un fromage blanc basique, 0%. Enfin, ça fait déjà pas mal, mais.